Voici comment le crack de 19 ans Benjamin Sesko a marqué contre Liverpool. La machine a marqué d'1m95. Grand, rapide, puissant et dangereux. Sesko attire l'attention et tous ceux qui l'ont vu se posent une même question. Est-il le nouveau Haaland? Sans plus tarder, on va y jeter un œil. Name three things about me. Tall, fast, strong. Grand, rapide, puissant. Et il marque but sur but. Si vous pensez à Erling Haaland, on va dire que c'est normal. Le Red Bull Salzbourg est le club qui a révélé le Norvégien, avant de le vendre au Borussia Dortmund. Mais cette fois, on parle d'un jeune Slovène, Benjamin Sesko, et on verra s'il est en effet le prochain Haaland. Né en 2003, Benji Sesko a été acheté 2,5 millions d'euros par Salzbourg alors qu'il n'avait que 16 ans. Il a attiré l'attention du club quand en 2017-2018, il joue avec les U15 du club slovène de Krško et qu'il a marqué 59 buts en 23 matchs. Dès qu'il est arrivé à Salzbourg, il a été prêté au FC Liefering, l'équipe réserve du club qui joue en D2 autrichienne. Le club ne voulait pas aller trop vite, ni le faire jouer avec l'équipe première, mais Sesko était un peu plus pressé que ça. Il n'a eu besoin que d'une seule saison pour s'adapter, et en 2020-2021, il a littéralement explosé. Sesko a marqué 21 buts en 29 rencontres, dont une série de 6 matchs dans laquelle il a inscrit 13 buts. À Liefering, il a montré qu'il était tout simplement un tueur né. Il peut marquer avec des frappes puissantes. Il peut réussir des tapines. Il utilise sa perspicacité pour faire trembler son adversaire et récupérer un ballon perdu dans la surface. La météo ne l'arrête pas quand il s'agit de montrer toute l'étendue de son talent. Il est aussi très à l'aise avec le ballon et il peut créer des opportunités pour ses coéquipiers. Devant le gardien, Benji possède un sang-froid impressionnant. Et comme on le dit depuis tout à l'heure, il est rapide et pour un gars de sa taille, son toucher de balle est vraiment superbe. Il est tellement bon qu'on lui a même demandé de ne pas s'en servir contre ses partenaires. Name three things you are not allowed to do in training. Skill too much, that is actually true. Ouais, on comprend pourquoi. Sans trop de surprises, Sesko a intégré l'équipe première de Salzbourg l'année suivante. Encore une fois, c'était une saison d'adaptation pour lui. Il n'a joué que 1500 minutes et il a pu voir ce qu'était le très haut niveau, notamment avec la Ligue des Champions. En un rien de temps, Sesko est passé des divisions de jeunes à un match contre le Bayern Munich. Et ses stats, toujours aussi impressionnantes. Pour sa première saison, Sesko a contribué à 18 buts, le rendant décisif toutes les 87 minutes. Début 2022, il avait montré sa puissance en marquant un quadruplé lors d'un match amical. En Autriche, il a marqué 5 buts en tant que remplaçant, mais il s'est montré encore meilleur en Coupe d'Autriche. Benji a marqué 5 buts et distribué 3 passes décisives en 5 rencontres, et son club a remporté le trophée. Il y a eu un but en demi-finale contre Wolfsberger, et le troisième but en finale contre Riyad alors qu'il n'a joué que 16 minutes. C'est comme ça que le nom de Sesko a commencé à circuler à l'étranger. Son nom a été associé à de très gros clubs comme le Real Madrid, Barcelone, le PSG et l'Atlético. Et après avoir détruit la défense de Liverpool en amical, Old Trafford a commencé à faire de la place pour lui. C'était censé être la soirée de Darwin Núñez, mais toute la lumière était sur Sesko. Son but victorieux a montré tout ce qu'il y avait à savoir sur cet attaquant. Le potentiel, le contrôle, la vitesse, la vision et les nerfs d'acier. Tous les grands clubs européens étaient après le nouveau crack de Salzbourg. Ils ont déjà eu des talents incroyables comme Sabitzer, Daka, Adeyemi, Sadio Mané et bien évidemment Haaland. Le club qui s'est naturellement positionné pour recruter Sesko, c'est le RB Leipzig et c'est le club idéal pour que Sesko continue sa progression. Vendu pour 24 millions d'euros, Sesko rejoindra le club pour la saison 2023-2024 et il prendra la place que devrait laisser Nkunku s'il rejoint bien Chelsea. Mais la Bundesliga ne devrait pas être la dernière étape pour Sesko. Comme Haaland avant lui, investir près de 20 millions d'euros sur un tel joueur permet de gagner beaucoup plus quelques années plus tard lors d'une revente. En une ou deux saisons, les mastodontes européens pourraient dépenser beaucoup plus pour s'offrir le joueur. Et bien évidemment, au moment venu, il coûtera bien plus que 20 millions d'euros. Alors, qui est Benjamin Sesko? C'est le modèle parfait du Red Bull Salzbourg. Sa technique, sa puissance et son talent sont exactement ce que recherchent les recruteurs du club autrichien. Son incroyable ascension montre exactement comment fonctionne le club, et ce sera à Sesko de montrer s'il est le nouveau Haaland ou s'il est en fait le meilleur Sesko. Si vous avez aimé cette vidéo sur Benjamin Sesko, n'hésitez pas à regarder celle où l'on vous dévoile les secrets qui se cachent derrière l'ascension incroyable d'Erling Haaland. Allez, à très vite!